Bonjour à tous. Dans le commentaire d'une vidéo, on m'a demandé de vous montrer comment on fait une synchro. Hein, plutôt voilà. En l'occurrence, je suis en train de faire l'enfant au tambour. Donc, je vais déjà vous montrer ce que j'ai fait. Puis ensuite, je vous montrerai comment réaliser la suite de la synchro. Je vous montre déjà ce que j'ai fait. Je vous mets comme ça, pas trop grand. Depuis le départ, c'est parti. Donc voilà ce que j'ai déjà fait, hein. J'ai déjà fait une bonne partie. Donc ensuite, pour synchroniser, déjà je mets ça en plus petit et dans l'angle ici. Donc pour synchroniser, on se met en play, visible screen, donc c'est-à-dire l'écran visible, et surtout un quart de la vitesse. Hein. Donc, vous voyez ce que ça monte, si je fais un quart de la vitesse. Ouais, hein. Donc pour être précis, pour synchroniser, il faudrait mettre un quart de la vitesse. Donc là, je vais déjà mettre en vitesse normale, ce qui vient après, hein. Moi, je peux me mettre en forme sélectionne aussi pour comme ça je mets où je veux démarrer. Donc, qu'est-ce qui vient après? Donc, cette partie-là, je l'ai déjà faite. Hein. On peut remarquer qu'on l'a déjà faite juste ici, à partir de là. Donc, je la copie et la coller. Vous voyez que c'est la même, donc je vais faire depuis ici jusque là, copie, puis là je vais regarder où la caler. Hop. Donc là je vais mettre en speed un quart. Donc encore un petit peu. Voilà. Donc je recule parce que j'ai mes trucs avant, hein, et j'ai ça. Donc je recule de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Hop. Mince. Faut se mettre en haut. Voilà. Donc moi je revérifie si c'est bon, si besoin de décaler ou pas. Ça m'a l'air d'être bon. Je revérifie une dernière fois pour être sûr.
Donc le premier, il est bon. Ensuite, on s'adapte parce que le copier-coller, ça va bien une fois, mais après, c'est pas toujours parfait à la suite. Hein. Donc le premier, il est bon. Le deuxième, il faut le décaler un peu par là-bas. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre tout ça. Hop, et je retire d'un petit carré. Là, puis là, je peux remplir de nouveau. Là, on tombe juste. Là, on tombe juste pour le deuxième. Pour le troisième, c'est bon. Troisième, on a un petit peu en retard, donc il faudra qu'on le ravance. Donc, on va faire pareil que tout à l'heure. On fait comme ça. Jusqu'au bout. C'est mieux de faire. Quand on fait du copier-coller, c'est mieux de faire partie par partie, parce que si on fait. De, hein, si on fait de A à Z de copier-coller, ça va pas. Moi, je préfère faire par partie. Comme ça, on fait des parties de 10-20 secondes. Donc là, c'est bon. Pour celui-là, c'est bon. Celui-là, il faudrait l'avancer à peine. Je vais vérifier quand même si c'est bon. Faut l'avancer, je crois. Oui, donc faut l'avancer un petit peu. Donc on va faire pareil. Voilà, on fait comme ça jusqu'au bout. On adapte. Faut que le pomme. Il tombe toujours ici. Voilà, parce que vous voyez que là, boum, boum. Donc faut que ça tombe ici. Hein. Même au ralenti, des fois, c'est dur à y entendre. C'est bon. Donc là, j'ai remarqué que celui-là était bon. On va voir celui-là. Je crois que vous le reculez un petit peu. On va le reculer un petit peu. Donc malgré, vous voyez, hein, malgré de faire du copier-coller, il faut quand même réadapter. Hein, parce que sinon, ce serait trop simple. Hein. Copier-coller, tac, mais bon, après, c'est pas toujours dans le. C'est pas toujours dans le moule. Hein, c'est pas toujours parfait après. Donc, on peut faire copier-coller, ça nous avance pas mal, mais il faut réadapter. Donc je vérifie maintenant jusqu'ici, depuis là où j'ai regardé le début. Je vérifie au ralenti. Je continue ensuite. Celui-là, faudrait l'avancer un petit peu. Donc, on l'avance. Celui-là est bon aussi. Je vérifie celui-là au cas où. Mettre à vitesse réelle, voir exactement ce qu'il y a.
Là, ça va faire comme ça. Après, la partie d'après, je la ferai cet après-midi ou demain. Donc, ça fait comme ça. Hop. Ça s'arrête comme ça. Voilà, après, on voit. Donc, maintenant qu'on a calé notre tambour sur les tous les trucs là. Donc la bonne femme est calée aussi là. Hein. Et là, je vais mettre en vitesse 1,5. Et là. Voilà. Donc maintenant. Il faut regarder, voilà. Donc, vous voyez mes petits carrés là. Ils font. Ça fait exactement. Ça fait fuchsia, vert. Donc, ça fait, oui, fuchsia, vert, violet. Vert clair, bleu, rouge. Donc, c'est une suite à tenir. Hein. Donc, fuchsia, vert. Là, ça passe au vert clair. Donc, c'est pas celui-là, c'est le violet que je veux. Voilà, violet, ensuite vert clair, bleu, donc j'enlève celui-là, vert clair, bleu, rouge, fuchsia, voilà, ça correspond pas toujours au SIDA, donc il faut changer, hop, là j'enlève puis je refais. Je sais dans quel ordre ils sont. Fuchsia, après le fuchsia, c'est le sapin. Après le sapin, c'est le violet. Ensuite, vert clair. Ensuite, c'est le bleu. Et ensuite, c'est le rouge. Le rouge, il est là. Voilà. Donc, vous voyez, hein, on a fait une partie de. Hop! On a fait une partie que de 5 secondes, hein, 5-10 secondes, mais vous voyez que ça prend quand même du temps. Hein. Donc on va écouter la partie en vitesse réelle. Hein. La partie qu'on vient de faire. Donc, ça commence là. Voilà. Donc voilà comment je mets synchro. Hein. C'est quand même. Pas c'est assez amusant, mais c'est quand même faut quand même être patient. Ah oui, c'est quand même du travail. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à la demande. Hein, voilà, c'est tout pour le moment.